Les amis, c'est Dark Histoire, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va tranquille. Alors, excusez-moi vraiment pour la qualité du son, vous allez voir, elle est médiocre, mais je vais la changer dès que la mise à jour sera terminée. Alors, donc je fais cette vidéo juste parce que je vais pouvoir tester la mise, enfin, layup, maintenant que la mise à jour, comme vous pouvez le voir, est en train de s'effectuer en direct. Donc, comme je vous le dis, j'ai pas pu mettre mon micro tout de suite, parce que bah, je suis pas dans l'endroit adéquat déjà, et en plus, bah, je l'ai oublié en haut. Et donc voilà, c'est juste une rapide présentation. Donc je vais mettre sur pause dès que la mise à jour est terminée. On se retrouve pour tester ce putain de mise à jour que j'attends. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Allez, à tout de suite les gens. Et les alors oh là là là, voilà, excusez-moi. Et les amis, je vous reprends juste pour terminer cette petite introduction qui va peut-être durer moins d'une minute. Je verrai. Comme vous pouvez le voir, le jeu se met toujours à jour. Puis j'ai putain de hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'attendais cette fucking mise à jour. Eh bien, juste avant, je vais te dire un truc, que si jamais la mise à jour ne me plaît pas, si jamais vraiment je trouve que le Yop était mieux avant, et que là il a été baissé, eh bien tout simplement les amis, je vous l'annonce directement, je me ferai un Pandawa R, R Multi, donc ce sera pas irrémédiable, c'est vraiment de la classe que j'ai envie de me faire en ce moment. Donc voilà, c'était juste pour faire la petite parenthèse. Bon, mais en attendant que le jeu se mette à jour, je vais continuer la pause et on se retrouve dès que j'aurai connecté mon compte. Voilà, à tout de suite. Et les amis, me revoici donc pour la vidéo. Et bien, regardez bien, mon jeu vient de se mettre à jour, mise à jour terminée 100%. Je n'ai même pas encore touché mon personnage, je viens juste de me connecter à peine. Allez, c'est parti, putain, vous pouvez... Oh là là, je suis trop excité, les gars. Alors voilà, comme vous pouvez voir, alors qu'est-ce qu'on peut dire, nouvelle interface là, maintenant on n'a plus... je sais plus qu'est-ce qu'on avait, je crois qu'on avait une espèce de chaffer... Un chaffer chelou, ou les rolivants, enfin je me souviens plus trop de l'ancien truc, mais là maintenant on a un je crois que c'est le match de l'Almanax, enfin je suis pas trop avec ce genre, enfin je me suis pas trop renseigné, mais je sais que je ferai sûrement des tutoriels, enfin des trucs pour les pour l'Almanax, parce que bon, bah moi je connais pas personnellement, parce que ça mène à 10. Voilà, plusieurs sorts ont été mis. Alors, n'oubliez pas de faire une... Alors voilà, l'Almanax, donc ça je vais pas regarder, c'est pas ce qui m'intéresse, donc on va tout de suite se foutre avec ma petite DD. Alors, équipement rapide numéro 7. Alors on voit qu'il y a quelques très petits trucs qui a changé. Alors dans ma liste d'amis, qu'est-ce que... Alors, ça a pas trop changé, enfin il y a rien du tout qui a changé. Alors maintenant on va passer, juste voir, avant les sorts quand même, j'ai juste envie de voir quelque chose. Qu'est-ce qui... Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti pour les sorts. 177 fucking points de sort, bateau, d'accord. En gros, on m'a rendu tous mes points de sort, c'est quoi ce fucking délire? D'accord, ben moi qui voulais aller au Doppel pour refaire plusieurs trucs, ben écoutez, je suis servi. Eh bien, on va tout simplement commencer par monter ça, et je vais, de toute façon, je vais les monter, je vais pas regarder les sorts comment ils sont, parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Alors déjà, on va monter les plus importants, bon... Donc bon, bah de toute façon j'ai vu ce que donnait la mise à jour, donc moi pour l'instant j'ai pas d'utilité à les regarder. Les sorts, je sais qu'il y a énormément de trucs qui ont changé, et putain je pouvais dire qu'est-ce que ça fait du bien. Alors là, bon, ça a été augmenté. Alors, intimidation, est-ce que ça vaut le coup de l'augmenter? Nombre de lancers par tour, 4, nombre par 3, 2, bah écoutez, je vais le monter que niveau 5 ça, enfin ouais, que niveau 5 je pense. Même pas, je vais le laisser niveau 4, vous savez quoi, ça me... Nombre de lancers 3, c'est largement bon. Vitalité, alors ça c'est clair, je l'augmente direct. Même pas à chercher, je l'augmente, même quoi qu'il donne, je m'en fous. Hop, 20% vitalité, j'ai l'impression qu'il était un peu baissé. Pooch, ben c'était mon sort, je sais même plus ce que c'était, je crois que c'était... Oulala, allez, non. Je crois que c'est guide de bravoure, mais bon, j'avais pas trop augmenté, lui. Je crois qu'il va me rester quelques points. Alors, concentration, alors ça c'est clair, oui, alors toi tu vas monter directement niveau 10. Niveau 10, qu'est-ce que je dis? Niveau 5, 6, putain. Alors, friction. C'est l'intervalle de relance qui baisse, ça. La cible se rapproche de l'attaquant. Vous savez quoi? Je vais pas le monter au max, je vais le monter au niveau 5. Je crois, voilà, niveau 5. Duel, qu'est-ce que c'est que ça, duel? 30% des PV. L'intervalle de relance, allez, celle-là, je l'augmente niveau 5 aussi. Voilà, 5. Que je garde un peu de points de sort. Alors, puissance, alors toi, c'est clair. Je te montre, il n'y a même pas à chercher. Hop, niveau 6, direct. Épée de Yop. Oula, qu'est-ce qui change au niveau 6? Les dommages changent. Ah, d'accord, mais je pourrais pas, moi. Je suis un peu con quand même, là. Je cherchais.
Allez, niveau 5, toi et Coco, alors là, mais je cherche même pas non plus, c'est quelque chose qui se demande pas. Hop, 3, 4, donc désolé si je prends un peu de temps quand même à faire ce genre de truc, mais là, je sens que, voilà, je suis à 5 minutes de vidéo, donc ça va quand même. Précipitation, donc précipitation, c'est quoi qui change? Intervalle de relance 2, bon toi c'est clair, je te monte aussi, niveau 6. Ça c'est le sort que je voulais vraiment essayer, parce que là, il n'y a pas à chercher, je veux t'essayer. Mais il me reste quoi alors, finalement? Bah écoutez, il me reste plus de points de sort. Et qu'est-ce qu'il y a des sorts que je voudrais augmenter que j'ai pas fait encore? Eh bien, on dirait bien que non. Eh bien, tout simplement, je vais monter ces deux sorts-là alors. Puisqu'il me reste plus de points que prévu. Précipitation 6, épée. Ah, papa, Coco. Coco, Coco. Et. Oh, je crois que. Oh non, on n'a pas été blessé. Coco et Brocco. Brocal 2, et il n'a pas été. Rien eu. Maîtrise. Allez, c'est parti, les gars. On va tester tout de suite cette mise à jour. Oula, mais qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi je fais ça? Bon, je suis un peu débilos, hein, parfois. Ah, on dirait que la gueule des trucs de runes a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Lord Mizzy. Oula, je sais pas si vous avez. Si, de toute façon, je pense que vous verrez. Mais je voyais les mecs en bleu pendant un moment. Enfin. J'espère que j'ai désactivé le mode. Oula, je sais pas si j'ai désactivé les ailes. Parce que. Oh, allez, je vais me faire aggro. Si je me fais aggro, je coupe direct et on se rejoint. Parce que, comme vous le savez, j'ai vraiment pas envie de tester ça sur un aggro. Parce que je vais être une grosse merde. Chercheur de. Alors. Allez, c'est parti, on va aller tester ce putain de mise à jour là. Allez, allez, go, 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 cours, petit. Voilà. J'espère qu'il y aura pas trop de monde. Ah, le canot jet d'eau. Oh, le canot jet d'eau, il a. Punchable, niveau 60. Oh là là, c'est quoi tous ces yops? Wow, il y a tous les yops, ils sont en canot jet d'eau, enfin ils ont eu la même idée que moi. Non, j'ai quand même visé peut-être avant. Alors, on va tester. Bon. Juste, désolé, hein, je fais vraiment moins de 18%. Là. Je suis 1 sur 2, quoi. 1 sur 5. Alors, puissance. Bon, vous savez quoi? Je veux tester juste vitalité quand même. Je crois qu'elle a été un peu baissée, vitalité. 300. Ah non, bah, elle a rien eu en fait, vitalité. C'est quoi ce fucking sort? Plus. Oh, c'est juste de la bombe, c'est quoi ça? Pouf, d'accord. Pouah, c'est énorme. Pouah, regardez-moi ce rocks, quoi. Avant, des fois, ça, je le faisais une fois sur 10, et maintenant. Ah, par contre, ah, oui, d'accord, moins 4 PA. Ah, par contre, ce qui est. Bah, non, en fait, ça a l'air vraiment trop bien. Alors, c'est quoi ça? Duel. Qu'est-ce que ça fait? Alors là, 33% des PV érodés sur la cible. Moins de 32 PV. Bon, bah, ça a pas l'air trop énorme, ça. Alors, ça, je voulais. Wow! C'est quoi? On dirait la gueule d'assaut. D'accord, ils nous ont fait une espèce de d'assaut bizarre. Ouais, on dirait une espèce d'une sorte d'assaut. Alors, oh là là, maintenant, voilà, ça, si vous voulez essayer, vraiment essayer. Pouah, la gueule que ça, maintenant! C'est juste de la balle! 19 à 23, dommage. Oh là 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 là, c'est de la. Boule! Putain de mec! Alors, duel. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, oula, j'ai fait putsch. Je me repère. D'accord. Alors ça, c'est vraiment énorme. Super. Petit échec critique. Moins 260. Ça change quoi en fait là? S'il te plaît. Moins 260. Ça change rien. Oula, mais quel sort j'ai fait? Duel. Non. Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait quoi? Putsch. La cible reçoit des dommages de sort, elle subit à nouveau 20% de dommages. Vas-y, on va tester. Top. Bon, c'est quoi ce sort de fou? Oh là là, duel. Oh là là, c'est juste de la bombe. Alors maintenant, on va tester un truc. Ah, friction. Voilà, ça j'avais vraiment envie de voir. Oh les gars, putain, j'ai le kiki tout dur. Enfin, voilà quoi, au sens. Voilà, hein, vous m'avez compris. Hein? Maintenant. Bon, je suis. Putain, ça allait trop vite, franchement. Là, on est des fucking rockers de malade. Est-ce qu'il va réapparaître le putsch? Parce que j'aimerais bien quand même. Ah, ben voilà. Je veux l'essayer. Il y avait pas mal de yop tout à l'heure, mais le canot judo, il a l'air d'avoir changé. Donc, désolé, hein, vraiment. Oh, vous savez quoi, je vais faire ça, tiens. Oh! Oh, cette animation, les gars! Oh là là, Kiki tout dur!
Oh, l'animation, elle est énorme. C'est quoi cette animation de fou? Oh! Eh, mais l'animation, c'était pas comme ça avant quand j'ai vu dans les vidéos. C'est quoi ça? Il y a des images en zone. Oh, vous savez quoi? On va combiner ça et on va mettre ça. Bon, vous êtes fucking sérieux de fou! Mais regardez-moi ça, mais. Les gars, mais. Franchement, mais. Là, à ce que. Oh là là, j'espère que ça dure pas trop. Voilà. À ce que. Début. Ah, waouh, c'est énorme! Alors. Franchement, je pensais vraiment pas que c'était comme ça, mais là, vraiment, je crois que le panda, je le ferai pas. Hein, parce que là. Vu comment c'est vraiment un truc de taré. C'est un truc du starbé. Regardez-moi ça. Bon, je suis désolé si je squatte un peu le putsch, les gars, mais. Voilà quoi. J'ai déjà fait une vidéo, donc vous me comprenez hein, quand même. Bon, il fait quoi le putsch? Voilà, alors. Bon, désolé à ceux que je vais un peu troller là, en volant le putsch tout le temps. Mais voilà quoi, excusez-moi. Donc en gros, si vous combinez des trucs du genre putsch et que vous faites des petites attaques, on va voir tout ça. Genre, mais des petites attaques merdiques, genre ça. En gros, ça vous met des espèces de dégâts assez énormes. Et. Précipitation, état moins 4 PA un tour. Bon, le tour de. En fait, c'est un peu con parce que le mieux, ça aurait été que le sort coûte pas de PA. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment les 6 PA. Là, ça nous enlève carrément 4 PA. Donc. Mais je l'ai monté niveau 6, je crois. Oula, ah non, c'est. Alors, je veux juste voir un truc. Non, ça va pas me servir. On va tester ça. Donc, combiné avec un gros putsch. Et on va faire 2-3 trucs. Oh, regardez-moi cette puissance de tape, mon gars. Putain, mais je suis encore, mais j'hallucine tellement c'est énorme. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Ah, d'accord, non, là il y avait rien. Bon, j'arrive quand même à faire des rocks énormément convenables avec ce genre de truc. Putain, bon, tester ça un peu aussi, tiens. Ouais, donc les dégâts d'épée de Yop sont super, en plus c'est à 4 PA. 24 à 20. D'accord. Ah non, non, d'accord. Je crois que j'ai oublié de le monter en fait ce soir. Oula, what the fuck. Ah non, même pas. C'est juste que c'est plus. Oh, d'accord. C'est juste que c'est très. Bah, dans 9 levels, les gars, bah, j'aurai la possibilité d'avoir. Oula, non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va faire poutre sur lui là. Je vais faire une petite puissance. Donc, je crois que puissance a baissé en niveau. Alors là, vous allez voir vraiment ce fucking rock que je vais lui mettre dans la gueule. Oh, regardez-moi ça. Putain, mais pourquoi je fais aucun coup critique? Je crois que les. Ah non, d'accord, c'était ce que j'avais à la base. Alors là, on va faire une petite coco, voir juste ce que ça donne là. Paf, moi 6. Oh, d'accord. On va manger un peu de pain parce qu'en fait, quand j'ai. Oh, mais regardez-moi tous ces espèces de. Que des yops. Bah oui, en même temps, tu m'étonnes, les mecs, ils veulent vraiment s'entraîner là. Je vais essayer de voir si je peux pas faire un petit aggro en même temps là, pour voir ce que ça donne. Allez, je vais encore leur voler le putsch. Allez, alors vraiment désolé. Hein, puisque. D'habitude, je fais pas ça, hein. Je vais dans un autre canot jet d'eau où il y a peut-être moins de monde parce que là ça doit faire quand même chier pas mal de personnes. Là. Bon, il réapparaît ou quoi là, ce petit salopio là hein? Petit salopio de Puchibo là. Oh là là, regardez-moi ça quoi, tous ces petits hommes orange là. Je crois pas que j'aurai l'occasion de. Ah bah si, voilà. Bon, j'ai réussi, genre, je vais quand même vraiment faire une dernière fois parce que sinon. Oh non, mais dégage toi! Non, non, non! Ah la pute! Putain! Moon par. Ah, mais tiens, mais casse-toi, quoi. Allez, tu me fais chier, là. Espèce de bite. Bon, on va vraiment essayer de combiner tout ce genre de trucs pour voir ce que ça donne. Bon, alors là, vraiment, je pense que. Non, mais s'il te plaît, là, tu passes, là. T'es venu dans mon putsch, là. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh là là, mais. Ah, mais tiens, on va pouvoir tester le jeu en équipe, donc je n'ai rien dit. Donc, on peut voir donc le mot interdit, donc ça rajoute quelques dommages, quand même, pas mal. Je vais juste tester parce que moi, je veux voir ça. Ouais, bon, enfin, alors, donc je remonte à la même vitalité que j'avais avant. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va tester le gros rocks de ouf que je vais mettre. Ouais, donc l'ennemi se rapproche d'une case, donc je vais essayer de m'arranger pour qu'il vienne vers moi. Voilà. Donc, en gros, là, je lui mets du 423 dans la tronche, le mec. Normal. Mais par contre, c'est ce sort-là que je pense que je risque pas d'utiliser trop souvent. Ouais, donc fuis parce que là, elle va prendre un peu de dégâts, sinon. Ouh, du 146 à la flamiche. C'est pas tous les jours que je faisais ça avant. Donc vraiment, vous voyez quand même la tronche de rocks. Hein. Maintenant, avec n'importe quoi, vous pouvez rocks bien. Même par exemple, je pense à ceux qui font du colis BL, mais bon, j'encourage vraiment pas ce truc parce que ça me saoule personnellement de voir
des mecs faire du colis avec des mules et en vous tombez qu'on est niveau 200. Je vais pas m'étendre là-dessus, ça me servira à rien. Ouais, ça pourrait quand même faire du très très bon truc de jeu en équipe. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. On va juste regarder la possibilité que ça m'offre quand même de faire. Tu vas pas pouvoir coco, je crois. Non, je rec, s'il te plaît, parce que. Ouh, regardez-moi ce Rox. Ah non, d'accord, en fait, c'est le Rox. C'est le Rox tant mal. Je croyais que c'était grâce à moi, mais en fait, non, 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 y a pas de truc. Hein. Voilà, donc, ben, vous avez pu voir tout simplement ce que ça donnait à peu près. Bon, je vais aller quand même faire un petit. Comment on pourrait dire ça? Ben, un petit aggro, mais je vous garantis pas que je vais le gagner, parce que là. Je viens de tester. J'ai pas eu l'accès à la bêta. Hein. Je vais vous le dire et je vais vous le répéter d'ailleurs. Mais vous savez quoi? Ah non, c'est dommage. J'ai pas une crête. Je crois que en plus ça a changé ici. C'était pas comme ça avant. Donc j'essaie de trouver quand même. Il n'y a pas. Oh, j'aurais pu l'aggro quand même. C'est un yop. Oh non, je lance un yop. Ça aurait pas été très beau, mais. Il n'y a pas de mec que je peux aggro là. Juste comme ça. Pour déconner. Je vais pas quand même me ramener à Brakmar, mais. Pas de soucis, y a aucun mec aggro là. Non, bah je crois pas que je vais pouvoir aggro aujourd'hui, à moins d'aller en bas et d'avoir quelqu'un. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas qui pourrait faire. Bah non, bah c'est assez dommage. Bon, je vais essayer. Peut-être truc de dernière chance, c'est d'aller dans la banque à Bonta parce que je sais qu'il y a pas mal de Brakmariens qui sont là-bas en général, vu que je me fais souvent agresser là-bas. Et c'est un peu chiant d'ailleurs, mais bon. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir lutter contre ce genre d'agression, qu'on va pouvoir être très fort et qu'on va pouvoir chier les cakes durs sur les ennemis. On verra tout ce qu'on va faire. Bon, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps parce que là, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont testé ce genre, cette mise à. Allez, on va faire ce que j'ai dit. La truc de la dernière. Enfin, la truc. Là, bah, alors, on va essayer de faire la truc. Enfin, mais arrête pourquoi je dis truc? L'aggro de la dernière chance, la zone. D'habitude, là, je vous jure, j'ai même pas le temps d'avancer. Je me fais aggro, agré, agro, bah, agressé. Alors, ouais, il y a personne là. Eh ben non, ben non, désolé les amis, il y a personne avec qui je vais bien me rendre. Ou vous savez quoi, sinon je vais faire une petite ellipse et on se retrouve tout à l'heure. Et les amis, nous revoici pour eh ben, un petit aggro. Ben, il y a un Sram niveau 169 qui a gentiment accepté de faire un défi amical. Je veux juste voir qu'est-ce que je. Les possibilités que donne. Donc cette mise à jour pour le PVP, eh bien je pense que je vais un peu changer mon mode de jeu quand même parce que je vais pas faire comme avant. C'est-à-dire avant c'était puissance, vitalité, amplification, machin truc. Là ça a complètement. Alors par contre ça dure combien de temps ça? Parce que si j'utilise tout de suite. Pendant 4 tours, bon ça va. Et vous savez quoi? Puisque j'ai presque aucun sort à faire, je vais tout simplement. Bon je vais pas aller au corps à corps, tiens, je vais tester les possibilités que m'offre la truc. Je vais essayer de faire ça à fond pour vous montrer bien 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 ce que maintenant on pourra vous en voir en PV parce qu'avant nous on était des bouses, des grosses bouses. Voilà. Alors voyons, petit piège mortel. J'espère que. Non, alors un piège répulsif. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, vous savez quoi? Tout simplement, je vais faire un petit bond par là. Ah ouais, d'accord. Donc carrément, il n'y a que deux d'intervalle de relance. Non, alors maintenant, on va tester ceci. Bon, je vais un peu fuir parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donnerait ce sort duel. Duel. Non, bah j'utiliserai quand même duel. Sans. C'est pourtant quoi ça tourne. Ça, par contre, ça coûte 4 PA, ça m'énerve. Mais vous savez quoi, je ferai une précipitation et comme ça sera gratuit. Au pire, bon voilà quoi. Oula, j'ai ouvert la map. Attends. Oh là là, non, 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 tu dégages toi. Qu'est-ce que tu fais hein? Tu prends pour qui hein? Tu prends pour qui là donc je vais aller par là. Et je vais vraiment aller voir ce que ça va faire. Bon, tu vas réapparaître ou quoi? Oui ou merde, voilà. Donc il s'appelle Zakirox. Ah, mais voilà, c'est parfait. J'aimerais bien qu'il reste dans ma ligne. Bon, je pense que je sais pas si je vais le perdre ou le gagner. C'est ça que je me demande bien, tu vois. Alors, vous savez quoi? On va aller faire cette. Je vais me rapprocher. J'espère qu'il va pas me sortir un truc du genre grosse dague de ouf là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est putsch. Non, moi, je veux friction. Voilà, on va tester. Alors vraiment, je peux vous le dire, c'est mon premier là. Je me suis entraîné contre un putsch, le petit machin, sauf si vous lui donnez 3 PA qui vous tue jamais encore, voilà, hein, même. Enfin, là, vraiment, je lui ai demandé de pas me faire cadeau, de pas me faire deux cadeaux. Bon, putain, mais c'est quoi d'ailleurs, putain, je suis en train de bafouiller comme une merde. De pas me faire de cadeau, pardon.
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, oh, mais il me tacle ce petit gentil SRAM. Voilà. Alors ça coûte combien par contre? Bon, ça... c'est toujours la même chose en fait. Bon, là depuis tout à l'heure en fait, il est en train de me légèrement me niquer, mais. Enfin voilà, vous pouvez voir. Putain, je vais pas perdre aussi vite quoi, laisse-moi une chance. J'ai même pas eu le temps de tester mon truc. Je vous l'ai dit, hein, même en PVP là, je reste quand même assez bas. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Alors puissance, ça coûte 3 PA, mais ça m'énerve! Putain! Je vais me faire défoncer si je fais ça, mais bon. Vous savez quoi? On va faire ça. Allez, une petite truc comme ça. Ce petit truc là, et je vais faire ça. Je crois que je peux le rapprocher de moi. Ah non, mais même pas. Donc voilà, l'espèce d'attaque qui ressemble à assaut. Ouais. Oh, il va encore se mettre invisible. C'est pour ça que j'aime pas les SRAM. Espèce d'enfoiré. Oh là. Oh là là, je vais devoir le. Je vais crever quoi, comme une merde. Vas-y, je vais faire genre de l'intimider. Je vais attaquer le double. Tiens, voilà. Oh putain, maintenant qu'il n'y a plus de dommages, les dommages au deg, ça va être assez un peu. Va falloir que je mette à l'épée, moi. Ouais, bon, je vous avais dit que j'étais nul en PVP là. Il m'a niqué. J'ai même pas pu tester mon truc quoi. Ça montre. Bon. Je pense de toute façon que le PVP, je vais sûrement arrêter. Je me suis mis bon tarin juste pour accéder aux péninsules dégelées pour risper le bûcheron. Mais bon, voilà. Bon ben, sur ce, je vous autorise à vous foutre de ma gueule pour mon joli PVP. Alors. Non, je déconne, soyez gentils les gens. Bon ben, c'était Darkester pour vous montrer tout simplement ce que donnait la Yop. Alors moi, maintenant, ce que j'en pense, je vais vous donner mon avis. C'est génial. Voilà. En plus, il a tiré des gros yeux là. Voilà, parce qu'il m'a regardé en plus. Voilà, c'est tout simplement génialissime. Bon, pourvu que ça me lasse pas trop quand même, parce que ça va peut-être. Là, bon, ça me manque pas encore le Yop d'avant, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'était Darkester en direct de Bremer pour la mise à jour 2.8. En espérant que ça vous ait plu, en espérant que vous vous abonnerez peut-être parce que vous en voudrez plus, hein, qui sait, vous ferez peut-être là, vous cliquez, votre souris va se glisser tout seul vers le bouton abonné et vous cliquerez tout seul, enfin, peut-être, on sait jamais. Et n'hésitez pas à commenter pour vous dire ce que vous personnellement vous en pensez, parce que j'aimerais bien savoir de ce que vos avis personnels, hein, parce que bon, voilà. Allez, les amis, portez-vous bien et à plus tard.